Donc chaque couche, il faut sabler comme ça, il faut passer parce qu'on veut de l'adhérence pour la prochaine couche. Puis aussi pour enlever les imperfections qu'il y avait sur cette couche-là. Je regarde ça, puis on jouait dedans, c'est comme un miroir. Ça prend combien de temps pour fabriquer une guitare en termes d'heures d'un début jusqu'à la fin? Les grandes marques, ceux-là qui fabriquent des milliers et des milliers de guitares par année, eux, ça peut lui prendre environ entre 10 et 12 heures de temps main-d'œuvre pour fabriquer une guitare. C'est plus que ça? Non. Nous, ça nous prend environ 24-25 heures pour fabriquer une guitare. Okay. En 24-25 heures, nous, ça reste de l'artisanat. Okay. Le luthier qui fait ça, qui en fait, mettons, 4-5 chez lui, là, dans son atelier, lui, des fois, ça peut lui prendre une centaine, voire 200 heures à faire la guitare. Ça, c'est artisanat. Un mélange de mini-industriel avec beaucoup d'artisanat. C'est du sablage, c'est une des étapes que la personne va avoir effectuées. Okay. On va la ressembler de l'autre côté, faut que tu y reviennes d'abord. Parfait. Lorsque l'étape d'assemblage est terminée, il faut les faire sécher. Les sécher. Pour appuyer ces pièces-là, à l'aide de petits bambins comme ça. Cette pièce-là, ça rentre, mais idéalement, avec cette grosseur-là... On essaie d'avoir la plus grosse. Exactement. Voici mon accord de la...